Et bonjour tout le monde, donc JB Galax à votre service. Alors on se retrouve pour un nouvel épisode de nos aventures sur Ark. Donc la dernière fois on avait fait le Tapé Jara, on avait prévu de faire le Quetz. Bon, le Quetz on va juste attendre d'être 3, donc on est dans l'attente de Seb, hein. Donc là je suis avec Diablo. Et ce qui va se passer, c'est que, bah, en attendant, on s'est préparé un petit peu, on a tout fait, et puis on avait besoin d'un Argentavis, puisque bon, on en a perdu, etc. Et on cherche vraiment un Argentavis gros level, et on a réussi à en trouver un, donc c'est génial. On commence l'aventure sur un petit timing d'Argentavis qui va être super simple et assez rapide, mais bon, c'est un gros level. Et puis on enchaînera sur le Quetz juste après. Allez, bon visionnage! Attends, on va rejoindre nos oiseaux. Non, c'est chiant quand ça déroule comme ça. Ouais, non, là par contre, c'est ma faute, hein, je suis vraiment désolé. Oh, bah, t'inquiète. C'est entièrement ma faute. J'avais. Oh punaise, il y a les allosaures, voilà. J'avais complètement zappé que j'avais changé de flèche en fait. Entre cet Argentavis et l'autre. J'avais oublié que j'avais chassé des ankylos en fait. Ah, attends, y en a un là, c'est quoi? Cool. 95! J'ai un Argentavis! 95! Juste à droite au-dessus de toi, c'est celui-là qu'on se fait de 62, on aurait pu le tuer. Bon, je vais te prendre dans mes pattes. Parce que là, par contre, c'est un 95, donc on va se le faire. Quand il va s'enfuir, en fait, il va vraiment falloir tirer longtemps pour l'endormir. Un Argentavis 95, c'est de la balle. Non, franchement, c'est abusé qu'on ait trouvé un 95, c'est génial. Parce que on tombait que sur du niveau 66 maximum, quoi. Hop, allez, on va se le faire à l'ancienne. Il est droit devant nous. J'ai pas biglé, hein. 9-5, ça fait 95. Ah. Tu le vois? Non, je le vois pas. Il est devant nous. Tu me dis dès qu'il fuit, hein, je le vois pas moi. Et il tombe! C'est bon, tombe en bas là-bas. Là. Ok, je te ramène à Zena. Hop, on se fait un Argentavis 95. C'est énorme. C'est énorme. Hop. C'est le mien, c'est mon mien celui-là, parce qu'en plus il est vraiment super beau. Il est trop beau. Et c'est une femelle, trop beau. Je l'appelle Mecha. Elle est magnifique. Oh là là, ma petite Mecha, elle est belle. Allez, je lui mets toutes les croquettes. Je sais pas combien il en faut en vrai, mais c'est pas grave. Toutes les croquettes de Stego. Non. Ça y est, il est tamé, hein, l'Argentavis, c'est bon. Donc, on a un Argentavis niveau 142. Femelle, bien évidemment. Les stats, 2300 de vie. Youhou! 2200% d'énergie, jackpot. Poids 97, c'est génial. Dégâts de mêlée 225%, ça va. Par contre, vitesse 100%. Allez, je l'appelle Mecha! Oh, tu l'as... Non, tu l'as mal appelé. C'est Mecha. Med, comme Mehdi, mais avec un chat à la fin. Il a un chat dans la gorge, c'est Mecha. Pardon. Hop. Mecha. Voilà.
Ma petite Mecha. Ok, donc c'est bon, Seb nous a rejoint, donc on va pouvoir aller se faire le quets à tous les trois, hein, voilà, l'équipe est réunie, donc nous on avait déjà tout préparé, on avait les croquettes de Rex, on avait fait pas mal de fléchettes, etc. Et on va utiliser notre technique qui est vraiment notre technique favorite, je trouve que c'est le plus simple pour faire un quets, étant donné que de toute façon il faut attendre un petit peu avant de faire la selle, voilà. Je vous laisse découvrir tout ça. Et donc comme vous pouvez voir, on est avec le tapis Jara qu'on a fait précédemment. On va aller se faire un quetz parce qu'on a un énorme quetz niveau 56 là-bas. Et il n'y a rien de mieux que le faire au tapis Jara. Donc c'était vraiment l'étape qui était indispensable. Et donc là on va être 3 dessus, autre particularité du tapis Jara. Donc là je monte siège avant, voilà. Diablo il est à l'arrière. Donc Seb bah, il pilote. Et là nous on sort nos armes. On a vraiment un angle de tir qui est vraiment, vraiment très très bien. Et puis on va aller chercher le quetz. Donc ça on va être tranquille. Avec Ahsoka qui porte. Elle porte, faut vraiment lui mettre un poids de plus. Hein. C'est le minimum. Ouais. Quand on est deux, ça va, mais alors dès qu'il y a le troisième qui monte, waouh. Wow. Je pèse que 118. Négatif, j'ai enlevé mon bouclier. Je pèse que 18. Que 118 maintenant. Mais j'ai rien de surplus. Le bolas, non. Hop. Ah, c'est un tout petit peu mieux là déjà. Bon, il est tout droit vers le pylône rouge. Si tu traces tout droit, on devrait tomber dessus normalement. J'essaie de tirer ou pas? Il revient sur nous. Si tu te mets parallèle à lui, on devrait pouvoir tirer à deux. Ce serait bien pour la torpeur. Tu me dis Diablo quand tu peux tirer? Alors feu. Oh. C'est toi que j'ai eu? T'es sérieux? Quoi? Oh là là. Ah ouais, faut aller le chercher. Ce jeu est une blague, quoi. J'adore ce jeu. Non, t'es sérieux? Je suis sans siège avant, t'es sans siège arrière, quoi, s'il te plaît. Il y a un Carnot qui est sur toi. Attends, je suis descendu. Ah! Il est sur moi le Carnot. Bon vas-y, on s'en fout de le dépecer, de toute façon l'oiseau il est trop plein. Désolé Diablo du coup. Donc voilà, alors on a fait une bonne ellipse puisque ça fait 20 ou 25 minutes je crois qu'on est en train de tirer sur le quetz. Il nous a fait quand même bien voyager puisque on est parti du pylône rouge et on est arrivé au bord du volcan. Voilà, ça fait quand même une petite trode. Et encore, on est au Tapé Jara, donc nous on fait au Tapé Jara tout simplement parce que là on est deux à tirer. Donc techniquement, si on se débrouille bien, si le pilote il gère bien, on peut à chaque fois tirer deux fléchettes à chaque fois. Hein, voilà. Donc c'est quand même mieux que le faire par exemple à l'Argentavis, c'est pour ça qu'on attendait d'avoir le tapé, puisque avec l'Argentavis, ben, il n'y a qu'un seul tireur, hein. Il y a celui qui porte et puis il y a le passager. Voilà, quand on est que deux ou trois, bien évidemment si on est une tribu de quatre, voilà, on peut le faire à deux tireurs aussi. Bref, le tapage era, c'est cool, merci à lui de nous avoir aidés. Et puis on se retrouve dès qu'il va tomber parce que je crois qu'il va m'arriver un petit quelque chose et moi je vais pas participer à l'endormissement. Il est parti où?
Bah, c'est bon, il m'a volé. Moi, il m'a volé mes champignons, toi. Ah, attends, je le vois. Il est parti par là-bas. Oh punaise, il y a l'ours en plus. Oh, oh j'ai un ours sur moi, les gars. Ah, je vais mourir. continuez le quest, je vous dirai quand je serai revenu. Ah bah tiens, je suis au-dessus de vous. Hop. Et voilà. Bon bah c'est parfait. Les murs de pique qui sont posés, c'est génial. Hop. T'as mis les croquettes dans le couette ou pas encore? Pas encore. Non, pas encore. Ah, il avait 7800 de torpeur quand même. Donc voilà comment t'as mis un quetz au tapéjara. Et donc le temps que ce quetz se tame, on va aller, je suis allé faire un petit tour des loots avec... il n'y avait pas que moi, il y avait Sab et Diablo, on a fait un petit tour des loots. On n'a jamais trop de chance, en tout cas sur notre serveur là, on n'a vraiment pas trop de chance, mais je suis tombé sur un loot qui est plutôt sympathique et je vais le partager avec vous. Ben c'est ça, qui est deux balises, après peut-être qu'on peut mettre les deux balises devant, mais et faire un 360 avec. Oui, oui, tout à fait. Oh les gars, trop bien. J'ai un blueprint de fusil à canon inhabituel. Alors c'est pas du bleu, mais c'est du inhabituel. Un fusil à canon long ? Ouais, un fusil à canon long. C'est trop cool. J'ai presque envie d'aller au volcan pour les fabriquer de suite en fait. Bah vas-y, je vais au volcan. Tu m'attends pour mettre la selle sans le quetz pour faire la présentation du stationnaire. Je vais fabriquer 3 fusils canon long au volcan. Bon bah du coup voilà, le quetz, le timing s'est fait tout seul, hein. On a juste eu à mettre les croquettes et puis voilà, il n'y avait pas besoin de narcotiques, il n'y avait besoin de rien, juste attendre le temps qu'il mange toutes ces croquettes. Je vais pas vous parler des stats de l'oiseau après timing comme on peut le faire d'habitude après un apprivoisement, tout simplement parce que entre temps... Il y a eu, entre aujourd'hui et le moment où on a tourné cette aventure, il y a eu un nerf, donc il y a eu une grosse mise à jour au sujet des animaux volants, donc de tous les oiseaux. Ce qui fait que voilà, ça n'a plus aucun sens, les statistiques qu'il avait n'avaient plus aucun sens, hein, voilà, tout simplement. Mais bon, ça reste un quest quand même, hein, donc au niveau du poids et tout, on peut porter beaucoup de choses, donc on peut voyager assez loin, même si c'est plus lent que le reste des oiseaux. Ça reste quand même un gros intérêt, puisqu'on peut aussi porter des dinos qui sont relativement gros et qu'on ne pourrait pas porter avec d'autres, voilà. Donc ça reste un quest, ça reste super important à avoir, au moins un, de toute façon il faut des femelles pour avoir des œufs de quest, ça c'est obligatoire, pour tamer le gigano et aussi le mosasaur, donc le plus gros dinosaure terrestre, le gigano, le plus gros dinosaure sous-marin, le mosa, il faut des croquettes de quest. Bon, le quest, il faut en tamer, même si on l'utilise beaucoup moins, il faut en tamer, voilà, hein, tout simplement. Donc on va être, on arrive à la fin de cette aventure. Ça aurait été sympa, on aura croisé un petit peu des ours, etc. Donc là, entre cette aventure et la prochaine, on va tout simplement aller tamer des carnots, etc. Donc ce sera pas forcément sujet de vidéo, parce que ce sera juste de la chasse aux carnots. Tout simplement pour, dans le futur, se faire un ours, puisque l'ours que vous avez qui m'a tué tout à l'heure, il a détruit totalement mon armure. Et ça, il y a très peu de dinosaures qui, quand on nous tape, nous explosent l'armure. À part le Pterizonorus et l'ours et quelques exceptions.
Franchement, il n'y en a pas tant que ça, donc du coup, on veut absolument se faire des ours. Parce que c'est quand même très très puissant, et puis bon, c'est utile pour d'autres choses. Bref, le prochain aventure, vous allez voir, je vais pas en parler du prochain épisode maintenant, tout simplement parce que ça va être quelque chose de cool. On va enfin rentrer dans le vif du jeu, et ça va être sympa. Bah, ça nous a fait plaisir de tourner cette aventure, hein, comme d'habitude. N'hésitez pas à participer aussi, ça fait toujours plaisir, hein, de pouvoir vous répondre en commentaire, etc. N'hésitez pas à partager. Et puis, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bonne continuation et bon jeu à tous. Bye!